Eh bien, salut tout le monde, c'est ZercoSeptor9, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la découverte du DLC d'Advanced Warfare, donc Supremacy. On se trouve sur la map Compound, donc une map qui est un centre de tir, un centre de tir, on va appeler ça comme ça. Un centre d'entraînement paracommando militaire, on va réinventer des mots. Enfin, même si paracommando existe, mais paracommando militaire, je ne crois pas. Enfin bref, c'est pas le but de cette vidéo. Alors, map très petite, hein, de base, je tiens vraiment à le préciser, map très 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 petite, avec des spawns plus que foireux. Hein, on va quand même tout donner direct, hein. Avec des spawns assez foireux. Allez, hop, on le tue. Mais néanmoins, malgré que... Attention. Non, 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 non. Malgré que les spawns soient assez foireux, il y a vraiment moyen de faire des bons trucs dans cette map. Mais je n'aime pas, je sais pas. Franchement, cette map, je n'aime pas. C'est pas trop mon kiff. Hein, j'aime pourtant. Le DLC, ça va. En lui-même, je le trouve pas trop dégueulasse. Mais cette map, je sais pas. Il y a un petit truc qui manque. Néanmoins, c'est bien de trouver une map avec du rush. Mais avec les exosquelettes, voilà. Hein, ça donne encore plus de rush à la map. Et des fois, vous n'avez pas le temps de recharger que les types sont déjà là. C'est le gros bordel. Merci de mourir. C'est pour ça que dans cette map, les SMH, je vais dire, les SMG sont beaucoup plus présentes que les AR. Même si vous pouvez voir dans la feed, il y en a qui jouent à la balle 27. Wow. Il y en a qui jouent à la balle. D'accord. KF5, tu m'as mis un bullshit. Dis-moi juste. Non. Oui, tu m'as mis un bullshit, c'est ce que je dis. Donc, les types, ils jouent avec des KF5, des SM1, des MP11, vont être beaucoup plus avantagés que les personnes qui vont jouer à l'HBRA3 ou la balle 27, le sniper et tout ça. Tout simplement, comme je le dis, parce que la map est très 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 petite, c'est que du combat rapproché. Je ne sais pas s'il y a un score streak spécial dans cette map, j'entends quelqu'un parler, mais je ne crois pas qu'il y ait de score streak spécial. On va chercher après des ennemis quand même. Hein. Meurs, s'il te plaît. Alors, vous pouvez voir qu'il y a quand même quelques petits tops où les ennemis vont souvent traîner, je crois. Même si voilà, j'ai fait deux ou trois games, dessus, les ennemis ne. Enfin, c'est ma troisième game celle-ci, je veux dire, les ennemis ça, ils traînent pas trop souvent au top. Généralement, ils sont plutôt ici dans ce souterrain. Et je peux vous jurer que, de toute façon, en premier sang, vous avez vu où j'ai rushé directement souterrain, il y avait déjà un ennemi. Hein. J'ai fait le premier sang comme ça parce qu'il y a souvent des ennemis qui passent souterrain dès le début. Mais ça va, la map elle est bien, mais comme je vous dis, il y a moyen de se faire spawn trapper. Comme tout à l'heure, ça m'est arrivé. Donc là où je viens de passer dans le souterrain, je suis mort là par un type. J'ai respawn dans le souterrain, là, au même endroit à côté de lui. Je l'ai tué tout de suite. C'est-à-dire que les respawns ne sont pas très bien faits sur cette map, je crois. Et je pense qu'il y a moyen de tenter des crosses de map assez facilement. Enfin, je crois. Je ne connais pas encore le pré-shoot, enfin le spot à cross de map sur cette map. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le connaître, comme je ne vais pas forcément beaucoup jouer sur le DLC. Mais bon, ça fait quand même plaisir d'avoir une petite map où on peut beaucoup rusher. Alors, aussi, cette map, je ne sais pas si vous le savez, je vous le dis, je ne vais pas vous le montrer en plein milieu de partie parce que déjà, il est en out of map, le truc. Ok, ma télé qui veut se mettre en veille, hein. Bon, évidemment, on va refuser. Donc, il y a un petit easter egg, c'est la map Rust qui est dans cette map aussi. Donc, elle est out of map, elle est là-bas derrière. Là-bas. D'accord, je suis mort parce que je faisais le con. Mais elle est là-bas en out of map. Regardez, voilà. La map Rust de MW2 qui est là-bas en out of map. C'est un petit easter egg. Bon, je ne sais pas ce que ça annonce, si ça prédit quelque chose ou pas. Mais bon, de là non plus, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Comme je vous dis, là, je suis en train de me faire littéralement enculer avec les respawns qui sont beaucoup trop petits. Donc, on va se barrer. Et barre-toi. Je ne sais pas si la map, elle est vraiment adaptée à la mêlée générale. À 12, à 8, oui, à 12. Je ne mens pas. Je crois que c'est horrible de jouer à 12 dans cette map en mêlée générale. Ce serait beaucoup trop... Comment dire, beaucoup trop fastidieux, bonjour. Beaucoup trop le bordel surtout. Bonjour, ah bah, d'accord. On me le pique. Je pense que cette map pour liaison satellite, je pense à ça seulement maintenant, parce que j'ai déjà vu certaines personnes jouer liaison satellite sur cette map. Ça doit être un gros bordel. Parce que comme elle est toute petite, il y a vraiment moyen de marquer des points à très longue distance. Donc je crois que là, ce serait une bonne utilisation, une bonne idée d'utiliser une AR. Je vais seulement d'y penser maintenant en fait. Hein. C'est un petit truc comme ça que je me dis. Donc on va chercher après du monde parce qu'on fait pas un score très folichon. Folichon, on fait du 10-5. Ok. Ok. Drone prêt. On va un petit peu se concentrer. Merci de mourir, petit.
Ah bah justement, vous avez vu, j'ai mis le drone, comme ça on va peut-être pouvoir voir où ils vont respawn les types. Ah oui, s'ils vont respawn, pas exactement, mais je veux dire, on va peut-être pouvoir voir où se trouve le point d'apparition. Bah vous l'avez vu, hein. Il est juste là en face, et pourtant je suis encore là, ok. Ok. Toi, t'es un PGM. C'est un PGM, moi, je vais coller Vicky. C'est bien, je suis content pour toi. Non mais voilà, c'est de l'ironie toujours. En ce qui concerne les deux autres vidéos sur Kremlin et Skyrise, je les sortirai un petit peu plus tard. Je vais aller un petit peu sur GTA avec les potos, je les sortirai aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Ce sera peut-être aux alentours de 20h quand elles sortiront. C'est pas très grave, hein. Vous les aurez aujourd'hui, je vous l'ai dit. Il y a 4 vidéos à sortir aujourd'hui. Donc d'ailleurs, je vais un peu en parler maintenant dans cette vidéo. Allez sur Twitter, sérieusement, suivez-moi sur Twitter parce que j'avais déjà balancé l'horaire de mes vidéos sur cette semaine en entier. Il y aura des vidéos jusque dimanche, donc toute la semaine elle est pleine. Demain il y en a, samedi il y en a, dimanche il y en a aussi. Donc allez sur Twitter, vous avez qu'à me follow, hein. C'est pas compliqué et vous pourrez voir comme ça mon horaire. Des fois je upload mon horaire, des fois je donne des nouvelles. Vous avez qu'à me demander, vous pouvez même parler sur Twitter, je réponds à tout le monde et il n'y a pas de problème. Ok. Et. D'accord. J'aurais dû l'attendre, je serais pas mort. Vous avez vu? Je suis mort là, j'ai respawn où? Au même endroit. Eh mais. C'est infâme là. On va le mettre à coup de brain. On va lui mettre un coup de brain les gens. Un coup de brain. Boum, le coup de brain. Tiens. Un boulot à la nerf. On fait une kill cam. On flaque le cam. Et voilà. Oh là 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 là. Vous êtes franchement tout choqué de ce que je viens de faire, je crois. Non, sérieusement, un petit coup de brain et un petit coup de kill cam. Bon. Rien de pas tant. On s'en fout complètement. Mais je veux dire, voilà. Donc la map en elle-même, au début, je l'aimais pas trop, c'est vrai. Mais une fois qu'on apprend à la connaître, qu'on essaie de bien visualiser les spawns, ça va, ça passe encore. Pas comme Kremlin. Même si Kremlin, j'ai déjà su faire quasiment une implacable dessus. Ça va. Mais je veux dire, dans l'ensemble, le DLC, c'est vraiment celui que je préfère. Donc vous avez atteint le rang max, on le sait, donc série 400, bas les couilles, le but c'était de parler de la map. Donc j'espère que cette map vous a plu. C'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime, commenter, partager, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On se retrouve tout à l'heure, dans quelques heures, pour les deux autres maps sur Advanced Warfare, donc dans ce DLC Supremacy. C'était Zarko, je vous dis à la prochaine, bye.